Chers gens de bien, puisque vous êtes ici avec moi, je vais vous partager un peu de mes secrets. Je suis en quelque sorte la mémoire des femmes, à travers les temps, à travers les âges. Ainsi, suscitant en elles des émotions toutes naturelles, certaines pouvaient animer leurs éloquences de grandioses démonstrations, invitant leurs compagnes à quelques instants de libertinage pris à la volée. La femme, bien que bridée selon l'ordre religieux, n'en est pas moins exploratrice de sa liberté. Ainsi, les soirs, seule dans sa chambrette, la jeunesse pour compagne de fortune, la pucelle aime aller à la rencontre de son sacre, de sa divine quiétude. Exprimez-les donc, caressez vos formes qui autrement se destinent à disparaître à la vue et au sens. Sortez les goûts de Michelet, testez-en les formes et les textures. Il vous est même permis de partager vos expériences pourvu que vous soyez sage et docile. Les faunes sont bien connues pour avoir, à la faveur de leur petite taille, un braquemar à faire pâlir de jalousie le plus armé des Don Juan. Sa main effleura le long de ses cuisses, puis, discrètement, comme si elle pouvait être surprise par quelque animal furtif, elle plongea sa main au cœur de ses lèvres entrouvertes pour s'assurer du degré d'humidité. Le matin l'a éveillée, le dernier esprit d'une étoile filée, le manteau de vie sur la fée, il lui a donné l'hommage hier. Les amants, deux âmes qui s'étaient reconnues quelques mois auparavant, se retrouvent pour quelques jours de folle passion. Ils avaient déjà eu l'occasion, dans leur rencontre, de dominer le tigre, chevaucher le dragon, et aujourd'hui, ils décident de céder à l'invitation du lièvre. Les cheveux.